Eh bien, salut à tous les amis, c'est Faroxo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas pour un gameplay, pas pour un live, ni quoi que ce, mais pour un petit tuto justement sur Palworld, c'est-à-dire comment retrouver sa sauvegarde qui a été supprimée. Donc, si vous vous retrouvez par exemple, je sais pas, vous reconnectez sur Palworld, que vous allez sur commencer une partie, et que ici, normalement, vous avez un monde avec genre niveau 30, machin, vous avez votre monde, mais que d'un coup... il a disparu, vous pouvez juste créer un nouveau monde, ne vous en faites pas, la sauvegarde n'a pas été supprimée ni rien, en vrai c'est tout bête, justement ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça à cause d'une putain de coupure de courant, et donc du coup je me suis retrouvé ici, je commence à péter un câble, je me disais putain, ça y est, la sauvegarde a été supprimée et tout, mais ne vous en, ne vous en faites pas, la sauvegarde est toujours présente, et je vais vous montrer justement comment la remettre en ordre. Donc c'est tout simple, une fois que vous êtes sur votre bureau, donc alors vous pouvez voir là j'ai lancé Palworld en fenêtré, comme ça tout est en direct, donc là vous pouvez voir que j'ai toujours pas ma partie. Donc une fois que vous êtes sur votre bureau, vous allez dans vos fichiers ici, vous allez sur ce PC, donc moi Palworld il est téléchargé sur ce disque dur là. Vous tapez PAL avec un P en majuscule, donc là ça va rechercher tout ça machin. Bon, il y a une version plus rapide du coup d'aller dans ce fichier là. Vous faites Windows R pourcentage AppData pourcentage après dossier local, et dans le dossier local vous verrez justement le dossier PAL. Mais moi je sais pas pourquoi, je suis sur Windows 11 et le Windows R ne fonctionne pas. J'appuie sur Windows R, il n'y a rien qui fonctionne. Donc du coup j'appuie directement sur PAL, ça cherche un petit peu, ça met un peu de temps. Mais on va le trouver. Tiens, voilà, il est là. Donc ici, voilà, vous pouvez voir AppData, local et le dossier PAL. Donc, dans le dossier PAL, après, vous avez Saved. Vous allez dans Save Games. Vous allez ici, paf. Et donc ici, moi, mon compte, que justement, qui a été supprimé, qu'on ne perçoit plus. Donc, c'est celui-ci. Donc, forcément, le dernier à la date. Tac, donc, alors... ça, c'est justement votre monde, le fameux monde qui a disparu, mais que vous voyez pas là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Backup, Local, et là, vous avez toutes les sauvegardes qu'il y a du jeu. Vous voyez en haut à droite à chaque fois, sauvegarde en cours. Bah, en fait, ça fait ça. Donc, moi, je vais reprendre ma dernière sauvegarde, donc tac. Donc là, vous avez le dossier local data. Donc, vous faites un petit CTRL-C pour le copier. Vous revenez en arrière. Vous allez ici, CTRL V, remplacer le fichier dans la destination. Et vous faites la même chose, vous allez dans World, vous prenez votre dernière sauvegarde, vous prenez tout, CTRL C, pour venir en arrière. Vous allez ici, CTRL V, remplacer la destination. Et là, normalement, une fois que vous êtes sur Palworld, comme par magie, votre monde est réapparu. Et voilà. Normalement, c'est fonctionnel. On va voir ça tweet. Normalement, je vais retrouver justement mon magnifique personnage. Et puis voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Dites-moi en commentaire justement si pour vous ça a bien fonctionné ou quoi. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut.